Hey, coucou les croquettes! Attendez, faut que je mette le bon jeu. Ouhou. Comment allez-vous? Allez, go! On y retourne. Qu'est-ce qu'on faisait au début? Si, on avait récupéré le... Comment dit-on? Le générateur pour... Bon, je sais plus qui était coincé. Salut Ben, comment ça va? Ah! Let's go! Retour et on dirait qu'il a trouvé un générateur. Eh ben écoute, ça va? Bon travail, pilote Cooper. À présent, nous pouvons rétablir le courant et activer la balise. Et qui je le donne, le machin? À point nommé, on a recablé le système. Reste plus qu'à rétablir le courant. Pilote, les relais électriques de cette salle sont désactivés. Utilisez le générateur pour les amorcer. Pilote, j'espère que le jeu en valait la chandelle. Ah bah j'en sais rien, c'est vous qui allez me le dire. Taux de radiation élevé. Votre combinaison ne vous protégera que pendant une durée limitée dans cette salle. Agissez vite. Restez pas là-dedans trop longtemps, sauf si vous tenez vraiment à retirer. Ah bah oui. De la porte dans 3, 2, 1, allez-y. En croquette grillée, moi. Courant rétabli à 100%. Je vous suggère de ressortir immédiatement. Bravo, mais bah, ça tombe, c'est ce que j'ai fait. C'est bon, on a du courant. Ouvrez ces rideaux et activez-moi cette balise. Ouverture des rideaux. Diagnostic terminé. Alimentation à 100%. Lancez le verrouillage de l'antenne. Activation du module de verrouillage orbital. 60%. 70%. 80%, 90%. Attention, défaillance détectée. Arrêt du champ. C'est cassé. Capitaine, le module de verrouillage est hors ligne. Bordel, je parie que l'IMC ramène ses miches. Ce pari n'est pas risqué. McCord, on peut pirater le module? Négatif. À moins de vouloir envoyer un message à la flotte corporatiste. On va devoir réparer le module manuellement. Pilote, nous aurions besoin de vos services. Ah bah tiens. Prêt pour un autre voyage au bout de l'enfer, pilote. Il faut réparer la balise sur site et revenir ici au plus vite. Je fais que ça depuis le début avec vous. Transfert des commandes, pilote. Alors, trouver un module de verrouillage orbital en état de marche. Soyez prudent. On a déjà perdu beaucoup de bons gars là-bas. Mes analyses signalent un pilote décédé. D'après mes archives, ce soldat d'élite s'était distingué durant l'opération Fracture. Opération Fracture? C'était le nom de code d'une importante opération de ravitaillement menée par la milice sur la planète Victor. Il y a eu de lourdes pertes, mais la flotte a survécu. Merde. Mais attends-moi, bété! Il se fout! Je détecte un module de verrouillage fonctionnel à 428 mètres au nord-est. La seule option est une projection. Je peux vous lancer au-dessus du précipice. T'es sûr de toi? Les chances de réussite sont de 68%. Eh ben vas-y, jette-moi! Vent, 3 nœuds. Cap, 274. Distance, 95 mètres. Masse du projectile, 89 kg. N'ayez pas peur. Oui. Joli lancé. Je vous en prie. Bonne chance de l'autre côté. Richter, ici Blaise. Ouais, ici.
ici Richter. Ce putain de pilote veut utiliser la balise. Faut en finir. Je compte sur vous. Blisk, terminé. À toutes les unités, ici Richter. Tous à la balise et vite. Trouvez-moi cet avorton. Ne me décevez pas. Reçu. Zulu 1, Kilo 1, cap sur la zone. Alpha 2, déposez des soldats. Vite. Et me foutre la paix, c'est pas une option. Oui, bah là, on est d'accord que c'est trop loin. Et quoi, Cricket? Non, sans déconner, il faut que j'aille là-bas. Oh putain. Ah, voilà. Ça y est, c'est parti. On recommence. Ah putain, ça va me saouler. Richter, ici Blaise. Ouais, ici Richter. Ce putain de pilote veut utiliser la balise. Faut en finir. Je compte sur vous. Il y a un truc là. Blisk, terminé. À toutes les unités, ici Richter. Tous à la balise et vite. Trouvez-moi cet avorton. Ne me décevez pas. Reçu. Zulu 1, Kilo 1, cap sur la zone. Alpha 2, déposez des soldats. Vite. Ah. Ah! Il y en a un petit peu dans la tête du colo. Les vaisseaux de l'IMC font route vers vous. Ah bah le contraire m'aurait étonné, tiens. Oula. Allez, c'est parti. Je suis pas fan de cette arme en plus. Merde, il me jette une grenade, ça fait un merde, putain, je viens de me tirer dessus toute seule. Oh putain, mais c'est pas vrai ça. J'ai fait le boulet là. Putain, si je n'aime pas cette arme en plus. Je suis pas fan. Ça t'arrête de me faire chier. Hop, j'ai eu la croquette. Ah!
Ah, il va me faire chier, lui. Négatif, 6-0, aucun visuel. Ça, je vais le garder. Ah ouais, non, ça, j'aime pas. Tiens, je vais pas chier, toi. J'ai pas une unité pour souffrir, moi. Bon, j'ai l'impression que celui-là, je peux pas lui faire grand chose. Non, celui-là, je l'aime vraiment pas, mais putain, j'ai plus de balles. Au! Oh, mais putain de bordel de merde! Coucou, Chacha! Putain de merde! Merci pour ton abonnement! Ah! Putain, mais y'a pas des arbres dans cette merde! Oh, d'accord, ça me sert à rien cette histoire. Putain, c'est l'arme! Oh putain, j'aime pas du tout. Ah oui, putain, y'a le camouflage. Merde! T'es un coucher, toi. Cible repérée, à 30 mètres. Oh putain, mais je me fais tirer comme un lapin. Mais genre, le bon lapin.
Oh putain, faut que j'arrive. Le fusil double et un snipe où faut maintenir la gâchette enfoncée pour maximiser les dégâts. D'accord. Il y avait Thierry. Ah merde, putain. Ah, j'ai pas sauté, j'ai sauté trop tôt. Ah, mais merde. Ah bah y'a personne, vous avez rien vu, foutez-moi la paix. Alors là, j'ai pas pris le temps de regarder où il fallait que j'aille. Je sais pas où ça me ramène. Ça me ramène là. Ok. Ah, mais putain, laissez-moi tranquille. On est d'accord que lui, son but, c'est m'emmerder. Oh putain, je crois que j'ai fini. Mais foutez-moi la paix. Comme un cabri, en espérant désespérément qu'on me foute la paix. Oui, gardez les yeux ouverts. Faites donc ça. Me grattez pas trop quand même, hein. Je suis pas sûr de ce que je fais là. Attendez. Non, là, ça a aucun intérêt ce que je suis en train de faire. Puis là, je vais pas dormir, je dors carrément mal. Ah bah oui, ça. Je suis à fond.
Ouais, mais je capte pas trop là. Non, mais non! Hop, voilà, sauf s'il faut que je retourne là. Pour décaler celui-là. Comme ça. Ih! Ouh! Oh putain. Ah, je suis peut-être descendu trop tôt là. Fallait peut-être que je poum poum. Je poum. Non. Ah putain. Ah mais j'ai déjà mal au bras. Parce que on est d'accord, il n'y a pas de pilotage de grue là de mon côté. Kilo 1-4 ne répond pas. Paré à engager l'ennemi à la balise 4. Reçu, en position au portique de la balise 4. Paré à intercepter. Oula, 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 oulala. Oh bah écoutez. Comme ça, ça marche aussi, hein. Voilà. La grue doit me servir à quelque chose. Calme-toi, calme-toi. Ça va être tout noir. Ah putain. Ah, crise cardiaque. Ah putain. Ah, c'est tout noir. Maintenant que je me suis fait chier à sauter de partout là comme un cabri. Visuel perdu. C'est bon, ils m'ont paumé, c'est bon. Je suis tranquille. Il a disparu. Je suis sous votre nez, bande de cons. Non, je monte, moi. 12-14, la cible a disparu. On reste sur le coup. Lui, j'en ai plus beaucoup. Pilote. Bah,
Oui, plus de visuel, tu t'es planqué, mais qui est con celui-là? Ça, j'en ai plus beaucoup. Bon, y a pas des masses non plus là-dessus. Hein. Module de verrouillage orbital détecté. Vérifiez votre ATH. À Richter, nous ignorons les intentions du pilote. Il cherche peut-être à nous éloigner de son titan. Non, occupez-vous du pilote. J'ai prévu autre chose pour le titan. Ah non! Vous foutez la paix au titan, hein, vous le laissez tranquille. Hein. J'en ai marre de lui courir après, je le perds toutes les 30 secondes avec vos conneries. Vous laissez BT tranquille. Faut que je grimpe là-haut, moi. Comment je grimpe là-haut? Par là peut-être. Vous, je vous active parce que je sens que dans 2 minutes, ça va être une merde. Sans nom l'histoire. Parfait, vous avez pris les commandes. Déplacez l'antenne tout à droite, à votre portée. Alpha 2-1, il est mort. Faites-moi un rapport, à vous. Richter, il nous faut des renforts. Le pilote ennemi résiste encore près de la balise 4, à vous. Ah, c'est minable de l'IMC. Renforts envoyés. Oh oui, renforts envoyés. Putain, connard! Ah non, mais il m'a envoyé dans le turfu! Il m'énerve! Oh, il est mort, pauvre lapin! Tu m'as refait peur! Oh, les mains, peau de lapin! La maîtresse en maillot de bain! Putain, j'entends que ça tire dans tous les sens. Cet enfer. Putain.
Oh, mais c'est le bordel d'un coup, oh! Mais non, mais c'est pas là que je voulais acheter la grenade, moi! Oh putain, il m'a mis un taquet dans la gueule! Oh l'enfoiré! Mais c'est l'enfer! Putain, mais l'autre il colle des tartempions par la gueule! Le module est dans le projecteur de cette antenne. Jour protocole 2. Module de verrouillage acquis. J'attends votre retour, Cooper. Oui, bah écoute. Alpha 2-1, rapport. Répondez. Vous foutez quoi? Pourquoi ça se sert, ça? Ah! Squad anti-titan détecté. Demande de renfort. Oulala. Oh là là, il devait falloir appuyer sur un truc. Mais j'étais trop bien parti. Oh, vous avez vu comme j'étais trop chaud? Ah, j'étais trop chaud, patate. C'est le dernier, j'ai pas vu. Il fait quoi sur le dernier? Je vois pas. Ouais. Merde. J'ai voulu aller trop vite. Parce qu'on va dire que jusque là, je suis. Là. Ok. Là. Ok. Là. Ok, c'est après. Là. 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 Ah, il faut sauter en dessous. Ah, d'accord. Ah oui, non mais faut monter un peu quand même. D'accord, faut que je saute en dessous. Moi, j'essaie de sauter au-dessus. Bah oui, non, forcément au-dessus, ça marche pas. C'est là en fait que je vois pas comment je l'arrive en bas.
Parce que même le double saut... Ah putain! Ah c'est hyper dur! Ce passage, il va me rendre chèvre. Tyrolienne déployée, attaquez le Titan. Attaquez le Titan. Attaque d'infanterie ennemie. J'arrive, BT. J'arrive. Ah non, 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 non. Vous emmerdez pas mon pote, hein. Casque de pilote. Ça fait quoi, ce truc? Faut que je monte encore. J'arrive, BT, j'arrive. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de faire un petit tour. Mais. Vous allez mourir, oui? Content de vous revoir, Cooper. Je recommande de sécuriser la zone avant de passer aux réparations. Attends, BT, moi je veux pas faire le truc tout seul. Hein. Commande initialisée. Alerte, dégâts sur la coque. Alerte, réacteur instable. Remplacement batterie requis. Je le tire. Dégâts excessifs. Alerte, alerte. Venez là, bande de petites croquettes. Menace neutralisée. Zone sécurisée. Tout va bien, pilote? Tout va bien, BT. Ça va. Ça a été dur. Et toi, BT? Rapport de dégâts. Les systèmes critiques fonctionnent normalement. En dépit de votre auto-évaluation, le capitaine Lastimosa aurait loué votre ardeur au combat, Cooper. Merci. Et on va où, copain? Mise à jour mission, protocole 2. Remplacement du module. Le connecteur du module se trouve en haut de cette antenne. Une projection et un peu d'escalade s'imposent. Oh putain. Il va encore me jeter. Mais arrête de me jeter, BT, s'il te plaît.
Ici Sloan. Je t'écoute. Kane et Ash sont morts. Quelqu'un tue tes hommes et on a volé une de nos radios. Je le savais bien que t'aurais pas dû recruter ces tocards. Hé, hey, pilote. Ici Cuban Blisk. Alors comme ça, tu nous écoutes? Tu veux être un héros? Ok, continue de me narguer, vas-y. Mais à ta place, j'arrêterai de jouer les héros. Tu vivras plus longtemps. Bah ça tombe bien, je suis pas un héros. Fous-moi la paix. Est-ce que je vais là? Hypothèse. L'antenne se réorientera automatiquement une fois le nouveau module installé. La non-hypothèse, ça marchera pas, c'est ça? Je vous tiens. Ouf. J'adore BT comme il fait. Ouais, je suis en chemin. Richter, terminé. J'adore comme il apprend. C'est génial. Ici Richter, interceptez et liquidez ce pilote, puis exécutez le reste des troupes miliciennes. Faucheur en approche. Miliciens, sécurisez la salle de contrôle. Menace détectée. Reçu, confinement en cours. Nous vous aiderons d'ici. Attention, anomalie détectée. Possibilité de titan ennemi. Ah, on va essayer celui-là. J'ai envie de promouvoir quelqu'un. J'ai aussi très envie de buter quelqu'un. À vous de choisir ce que je dois faire. Allez, tuez-le. Ah non, pas celle-ci, on va refaire celle-là. Alerte, dégâts sur ma coque. Alors tu veux un vrai combat? On va voir de plus près ce que t'as dans le ventre. Ça fait croquette. Lâche? Il m'a traité de lâche, cet envoyé. Parti, abruti.
Dégâts sur ma coque. Bété, tout va bien. Ouh. Pilote, je vous suggère de débarquer. Tous les systèmes sont fonctionnels. Tony, renvoyez la sauce. Bien, chef. Séquence de transmission activée. Ça marche. Puissance de transmission 25% en augmentation. 60% en progresse. On y est presque. 80%. Puissance du signal maximum. La transmission peut commencer. Diffusion du flux de données. Attente de réponse. Espérons qu'il y ait encore quelqu'un là-haut. C'est bon. Commandant Sarah Briggs, détachement des maraudeurs ERS Milice. Authentifiez-vous. Commandant Briggs, ici BT-7274. Protocole 2. Poursuite de mission. Transmission des données à la flotte de l'unité ERS. Reçu et confirmé. Contente que vous soyez encore là. Nous recevons vos données. Un peu voilà. BT-7274. Votre mémoire indique que votre pilote d'origine est mort au combat. Affirmatif. Le capitaine Paris Lastimosa est mort au combat. Je suis désormais lié à un pilote suppléant. Le fusilier Jack Cooper. Comment ça ? Lastimosa vous a lié à un fusilier ? Affirmatif. Il n'avait pas d'autre choix. Bien compris. Oui. Vous serez transféré à un pilote mieux qualifié. Objection. Non. Cooper est mon pilote. Notre taux d'efficacité au combat excède désormais les 90%. Je demande la permission de conserver ce lien. Vous avez la chance que nous manquions de personnel, BT. Laisse mon pote, oh ! Elle veut me virer, elle ! T'es qui pour me virer, connasse ? Non mais Lyon. Votre scan de l'arche a permis d'en remonter la signature énergétique jusqu'à une base de l'IMC, ici sur Typhon. Le temps nous est compté. Allons-y. Let's go, Croquette ! Bon bah cool. Eh bah écoutez, on va faire la pause maintenant, comme ça on enchaîne le chapitre après. On va faire ça vite. Et... Tu le poses ? Et tu fais des pauses. Te le pose et te fais des pauses. Voilà, comme ça, après, on enchaîne. Putain, mais cool. Eh, vous avez vu N'empêche en saut, je me suis amélioré, hein. Je suis une meilleure croquette. Allez, potons, on se fait la pause et on revient pour la suite de nos aventures sur Titanfall avec BT. Ne partez pas, à tout de suite. Thank you.
Et oh les croquettes! Encore heureux que petit Dorito, c'était pas long pour faire les sauts. Comment ça? Non, c'est moi qui les ai fait toutes seules. Ça t'est sorti quand t'arrives? Oui, je sais, c'est moi qui suis à la bourre. Bah oui! T'es grave à la bourre, croquette, hein? Allez, on y retourne! C'est reparti, mon kiki! Écoutez bien. L'IMC a développé une arme appelée Distorber. C'est une arme capable d'anéantir des mondes entiers. Mais, privé de l'arche, sa source d'énergie, il est inutilisable. Votre mission est de prendre l'arche avant son transfert à la base aérienne. Attention, maraudeur, arme parée! Elle peut me gueuler dessus, elle? JP, tu vas bien? Avancez, avancez, on fait ce qu'on peut, ma petite dame, hein. Seul bordel! Ah putain, je suis coincé! Ah. Ah putain, c'est la merde! T'as plus ça, toi. Engagé.
On avance, on avance. En même temps, elle te gueule dessus, mais c'est tout ce que tu mérites. Hé hey. BT, pilote Cooper, avec toi. On y va. Attention, Titan ennemi, droit devant. Go, go, go. Où t'as Titan ennemi? Je vois des croquettes, mais je vois pas de Titan ennemi. Ah tiens, t'es beau. T'en fais de qu'on peut. On a d'autres titans qui rapides. Merde, putain, c'est la nôtre celle-là. Dans la panique, je lui tire dessus. Ça fait un bon entraînement, mais ça ne servira pas longtemps. Noyau de rafale activé. Bon travail, pilote. On continue d'avancer. Viens et tu verras. Permis milicienne. Noyau de rafale paré. Noyau de rafale activé. Titan ennemi abattu. C'est une sacrée connasse celle-là. Mais non, Bichette, elle est gentille, mais Bon boulot. Bah, elle fait partie des gentils. Vous méritez largement votre certification. Merci, madame. Allez, on termine ça et on remballe. Oui. Le voilà. Il reste assez de temps pour intercepter l'arche. T'es sûr, madame? Bah oui, bougez-vous, bougez-vous. Ah bah oui, ennemi en approche, bien sûr, ennemi en approche.
Ah putain. Pardon, c'est des copains, on peut leur tirer dessus. C'est fatigant cette histoire. Passe un équipement que tu viens de ramasser. Ah, que je suis pas dessus. Ah ça ce truc. On approche du trafic, en avant. Alerte, dégâts sur ma coque. Ouais, je sais pas si j'aime bien ou pas. À fond dans les oreilles, c'est horrible. Dégâts excessifs, alerte, alerte. À toutes les unités miliciennes, cap sur le draconique. C'est l'heure. Permettez, je recharge mes batteries, hein, parce que ouh. Attendez, pour... Bisous-moi. Voilà. Hop, alors on met ça. Ah, c'est en Dax. Noyau de vol paré. Aïe, 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 aïe. Oh, merde, 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 merde. Oh. Elle est molle, cette arme. Ouais, je suis pas...
Ouais, je suis pas fan de celle-là. Je vais en choper, je vais en prendre une autre. Je suis pas fan de celle-ci. Voyou de vol barré. On verra en enfer. Je fais pas des masses de dégâts avec. Alerte, dégâts sur ma corde. On vient faire par en lui. Non, mais attends, c'est tous les ennemis là! Merde et merde! Tu me dis que tu préfères les snipes, t'as un snipe pour BT. C'est quoi le snipe de BT? Le ça, mais j'aime pas hein! En vrai, j'aime pas hein! Lui, je crois qu'il est pas mal. Alors, c'est vrai que ce truc il fait des dégâts, mais putain, j'ai vraiment du mal à gérer. Ouais, ce serait cool d'avoir des batteries là parce que... Oui, bah écoute, hein. Utilise le clic molette. L'arche est en cours de chargement. Je vais regarder. On se voit bientôt. Grimper dans un vaisseau, on les pourchasse. Eh bah d'accord, allons-y, madame, on les pourchasse. Non, je vais rester comme ça en difficulté. Je vais y arriver quand même. Salut Finalis, comment tu vas? Ouais, ça avance, t'as vu?
T'as loupé les moments des sauts. J'ai fait des progrès de fou en saut. Elle permettait de me gueuler dessus, elle. Joli. On a pris l'avantage. Ouvrez le feu. Fox 2, Fox 2, missile lancé. Impact 1, impact 2, impact, impact. Impact confirmé sur toutes les unités. On arrive sur un transporteur. Dépassez-le. Il faut qu'on rattrape le Draconis. C'est quoi, c'est sur ça que vous tirez là? Il en avait vraiment après nous, en fait. Je te tiens. Accroche-toi. Merci. Parker, c'est gentil de vous pointer. Pas de quoi. Balta à 10h. Il protège le Draconis. Pas moyen de passer. J'ai besoin d'un pilote pour aborder le Balta et sécuriser la passerelle. Commandant, ici Blackbird 6-4. On peut le déployer. BT, faites-nous un catapultage. Bien reçu, 6-4. Oh non! Vous pouvez le faire, Cooper. M'arrêtez de me chier, putain! Comme la dernière fois? Pas tout à fait. Les variables sont plus nombreuses que pour un transfert interplateforme. Bonne chance. Ouais, bah oui, bonne chance. Sous les escaliers, mais qu'est-ce que vous racontez? Y'a personne sous les escaliers, mais enfin. Comme ça, t'es en train d'emmerder, toi. Celui-là, je l'aime pas, mais bon. Commandant Britt, ici le Braxton. Entre l'artillerie du Malta et ce titan volant, on fait laminer. On est sur le coup, accrochez-vous. Ah, écoutez, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Vous ne faites pas tirer dessus, qu'est-ce que vous racontez? Allez, on arrose. Je me suis peut-être un peu jeté dans la gueule du loup là quand même.
Ah, il m'a mis une patate. Et oui, parce que je ne pense jamais au camouflage, putain de merde. Cooper, pas moyen de manœuvrer avec ces canons. Éliminez l'artilleur et on s'aidera avec les deux autres. Hop. Merde! Oh! Et moi, je fais quoi? Je crois qu'on les a tous eus. Aucun ennemi en vue. Stand by, Cooper. Les 6-4 en marque. Il reste des canons anti-aériens sur le pont du Malta. Il faut qu'ils soient désactivés depuis la passerelle avant toute approche. On s'en occupe. Et c'est où? Coucou, salut les gars. Merci pour le tir d'appui. On vous couvre. Commandant Briggs, on va avoir besoin de vous. Bien reçu, Bert. J'arrive. Passerelle est à l'autre bout du hangar, par là. Des suggestions? Et c'est Briggs, qu'est-ce que vous attendez de moi? Fermez la porte et tenez-la. Il va quand même pas. Non, 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 attendez une seconde. Avec moi! J'adore ce boulot. Ouais, on s'emmerde jamais. Bouge-toi un peu le cul, Davis. Mais moi, ça a pas marché! Ah putain, ah moi je trouve que ça va être l'enfer là. Ouais, on s'emmerde jamais. Bouge-toi un peu le cul, Davis. Et pourquoi moi ça marche pas? Je dois pas faire comme il faut. Je dois littéralement pas faire comme il faut. J'adore ce boulot.
Attends, comment qu'ils font les croquettes? Bouge-toi un peu le cul, Davis. Ouais, bon. On a pris l'avantage. Préparez-vous à l'avantage. Oui. Rien. Et pourquoi que je lâcherais quelque chose? Halte au feu, c'est blindé. Il va falloir qu'on défonce le verre. Prenez la visée. Cible près des escaliers. Une cible sur la plateforme. Charge explosive parée. Hé, hey Cooper, admirez un peu le travail. Pilote Cooper, vous êtes prêt? Je suis prêt. Allez, go, go, go! Oui, 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 ben je fais ce que je peux, deux secondes. Oh, mais... Le Malta est à nous. Bien reçu, 6-4. Cooper, vous avez encore la main sur la passerelle. Utilisez votre data scalpel pour manœuvrer derrière le Draconis. Barker, ramenez BT à Cooper. Ok, j'y vais. Tiens le coup, tas de ferraille. À toutes les unités, éliminez les ennemis et rejoignez le Draconis. On touche au but. Vous êtes trop bas, tirez sur le manche. Trajectoire, Cooper, incliné à gauche. Trop bas, Cooper, redressé. Vous avez trop dévié, Cooper, corrigez à droite. Vous avez réussi. Voilà ton titan, Cooper. J'arrête le babysitting. Parlez à transférer les commandes au pilote. Cooper, on reste en retrait pour vous couvrir. Prenez le pont et rejoignez le Draconis. Oh bah oui, restez donc derrière. Ça serait dommage. Ça se passe quoi? Voodoo 1, Viper en position. Ta mission s'arrête ici, pilote. Je suis le maître des lieux. Oui. T'es à ma merci. Oui. Bah, viens, on va reparler. Attendez, j'y vois. Alerte, alerte.
Merde. Bon, ça part mal déjà. Oui. Ah oui, mais écoute, BT. Noyau de vol paré. Alerte, réacteur instable. Remplacement batterie requis. Tiens, quelle saloperie. Dégâts excessifs. Alerte, alerte. Shank Viper, il va me faire chier. Non mais je fais zéro dégâts. Il esquive tous mes tirs. Il me faut un truc qui va plus vite. Putain, je suis morte juste avant. Non. Ah putain, puis vous me remettez là. Ah, je suis coincé. Oui, ben cours, BT. Dégâts excessifs, alerte. Alerte envoyée au tapis, pilote. Alerte, réacteur instable. Remplacement batterie requis. Passe-leur le bon. Il y en a plus. Alerte, batterie essentielle. Merde, putain. Ah, il est super dur ce combat. Viper, il est un peu pète couille. Ça va être tout noir. Ah putain. Attends, faut lui remettre le truc. Ah, ça va être tout noir.
Je dois me faire déglinguer comme un lapin là. Allez, je vais y arriver. Mauvaise technique. Alors ça, non. Là, il va trop vite pour que je le fasse avec celui-là. La Starm, elle est trop molle. C'est fait que si je fais avec ça, je me fais éclater. Ici BT-7274, Viper neutralisé. Reçu. Abordez le Draconis et sécurisez l'Arche. On prépare le transfert. Cooper, parez au catapultage. Oui, mais parce qu'en fait, j'étais trop près du bas. Commandant Briggs, ici BT-7274, Viper neutralisé.
Reçu. Abordez le Draconis et sécurisez l'Arche. On prépare le transfert. Cooper, parez au catapultage. Hey, vas-y. Évaluation. Jette-moi. De la résistance au vent. Calcul. Ah non, fais bien des maths. Gauche arrachée, mais je reste opérationnel. Vaisseau en chute libre. C'est à nous de jouer, Cooper. Approchons du module de confinement de l'Arche. Attends, BT, tu vas trop vite! Module trop volumineux pour transfert. Nous devons improviser. C'est quoi l'impro? C'est ça que t'appelles de l'impro, BT? Impossible d'atteindre l'Arche. Cooper, j'ai besoin de vous. Oui? Vas-y. Vite, il faut quitter le vaisseau. Le temps nous est compté. Je fais ce que je peux. Par ici, Cooper. BT! Sors l'Arche de là! Négatif. Nous sommes piégés. Qu'est-ce que tu fous? Protocole 3. Je refuse de perdre notre pilote. Impact imminent. BT. Quoi, on a chu? De vos problèmes. Quand vous aurez livré l'Arche conformément à votre contrat, l'IMC procédera au paiement. Soyez juste prêts à me filer mon blé. Et vous l'aurez, votre cargaison, espèce de connard. Eh ben, vous pendouillez mon BT. Tu te dépêches de t'ouvrir et tu me donnes ce que je veux. Commande vocale non identifiée. Je vais faire ça à ma manière. C'est beaucoup trop risqué. L'Arche est instable. Écoute, le héros, t'as un truc qui m'appartient et je veux le récupérer. Grouille, dis à ton titan de s'ouvrir tout de suite. Ouvrir sur quoi? C'était ta dame? Je me prends une tarte. C'est jouer les héros, hein? Il y a un paquet de fric en jeu avec ce contrat, mon pote. Alors tu dis à ton titan qu'il se magne le cul de s'ouvrir. Ou sinon, je te colle une bastos dans la tête. Pilote menacé. Systèmes oculaires marginaux. Visuel sur pilote impossible. Ah, relevez-le. Là, est-ce que tu le vois? Juste là. Là, tu le vois? C'est bon maintenant? Fonction endommagée. Défaillance générale. J'en ai rien à foutre que tes fonctions soient endommagées. Tu me feras pas croire ça, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen qu'il n'y ait plus rien qui marche. Magne-toi de t'ouvrir. Ou je te promets que j'explose le crâne. C'est moi, BT, il a plus de pied non plus, bichette. Et encore de ce que c'est de compter. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Confiance, Cooper. Ok.
Alors, c'était pas si dur finalement. C'est ça le problème des équipes. Si on gagne pas ensemble, on crève ensemble. Le BT, il a fait de la bouillasse. Mais il faut qu'on retrouve les bouts de BT là. Bien tenté. Non. Hé, roule-toi d'extra large. On a plus le temps. BT, toi ma garce, tu vas me le payer. Cooper, par ici. Cooper, je ne peux plus poursuivre la mission. Mais vous, si. Prenez le kit, Sire. Votre meilleure chance de survivre. Mais BT, grimper un étage encore. Si, par là peut-être. Non, ça c'est d'où je viens. Putain, je peux savoir pourquoi on n'a pas ce truc dès le départ, sérieux? Merde. Ah, ah, c'est hyper stressant. Nous avons du mal à débarquer nos troupes et nous serons bientôt à court d'options.
Merde. J'ai pas regardé dans le bon sens. Merde! Ah putain, non mais BT va revenir! BT, mon copain, il va revenir! Et là, je fais n'importe quoi. Merde, mais putain, j'ai trop bien réussi tout à l'heure, là j'y arrive plus. C'est hyper dur. Ah, c'est là que j'y arrive pas, putain. Je vais par là, moi, je sais même pas si c'est par là que je dois aller. Du coup, ça va être nouveau Super BT. Bonjour, Jack. Nouveau châssis, même titan. Vieille carrosserie, même mémoire. BT 7274, pareil. Les copains, au nom de Dieu. Temps d'accomplir notre mission. Il rigole plus, hein. Cooper, je déploie toutes nos forces contre l'IMC, mais ça m'étonnerait que ça suffise. Vous allez devoir infiltrer la salle de ciblage. Je demande en Briggs à tous les postes de combat. Je veux un appui-feu sur Cooper et BT. Couvrez-les coûte que coûte. Ouais, couvrez-nous coûte que coûte. Il est où ? Terminé ce pour toi. Acquisition, menace immédiate, feu.
ennemis en vue. Alerte, dégâts sur ma coque. Cible verrouillée. Oh, mais putain, il en pousse comme des champignons. C'est la chance du débutant. Dégâts excessifs, alerte, alerte. Oui, oui, deux secondes, BT. Continuez, continuez. Bah oui, je me doute bien que je vais pas reculer. Ça c'est con. Commandant Briggs, ici Gates, des 6-4. On est à la bourre? Vous êtes pile à l'heure, Gates. Il vous reste combien de réserves sur le Malta? On est chargé à bloc. T'en fais pas, Cooper. On est avec toi. Système de visée activé. On est paré à tirer. Feu! Temps en vue. Dommage pour toi. Oh putain, mais ça tire partout! Allez, réacteur instable. Remplacement batterie requise. On a explosé. Bon. Le Stockton ne répond plus. Rapport de situation. Ici le capitaine Landegger du Routledge. Le Stockton s'est pris une portée, il va s'écraser. Commandant Briggs, ici Gates. On est à la bourre? Vous êtes pile à l'heure, Gates. Il vous reste combien de réserves sur le Malta? On est chargé à bloc. T'en fais pas, Cooper. On est avec toi. Système de visée activé. On est paré à tirer. Mais mes feux, pas sur moi! Que je grimpe. Il en faudra beaucoup plus que ça pour tuer, pilote. On va les tenir à distance. À partir de effectivement, il en fallait quelques-unes de plus. Où tu crois aller comme ça, Maria? Ah, mais c'est toi là-haut! Eh hey, mais vous me faites chier, hein. Oh, c'est vrai. C'est pas ça qui va te sauver.
Je fais ce que je peux. C'est d'utiliser le Distorder. Si nous échouons, la planète milicienne d'Harmonie sera détruite. C'est marrant, les humains, ils explosent. Le personnel de l'IMC. Ici le général Marder. Les mercenaires ont livré l'arche. Préparez le Distorder. Allumage des systèmes d'alimentation du Distorder. Allumage des transpondeurs de visée. Entrez les coordonnées de la planète Harmonie. Je fais quoi ? Harmonie. Coordonnées 264.588. Vous avez votre fric. Partez. Mes hommes s'occupent du reste. Il était vraiment temps que ça bouge. Essaie encore de jouer les héros, hein? Ouais, comme tu voudras. Je vais faire ça à ma manière. Attends. Celui-là, je le tue gratos. Comment ça, c'est le combat final? Mais le fil combat final de quoi? Je vois quand je te regarde, Cooper. Un gros tas de poteaux. Injecteur d'arche chargé. Début de la phase. Je ne peux pas échapper à mon noyau laser, Micron. Noyau smart, pareil. Je crois que je vais toucher une jackpot avec toi. Noyau smart. Je dois avouer, je ne sais pas si vous avez la catastrophe. Chopez-le. Séquence d'allumage du Distorder en partie. Coordonnées déroulées. Système support sur la planète Harmony. Alerte, dégâts sur la coque. Ok, on est reparti. Dark, fais tes adieux, loser. Merde, j'ai pas vu son laser. Mais comment ça, combat final Mais combat final, genre combat final de la fin du jeu? Que me dis-tu, là? Injecteur Dark chargé, début de la phase. Tu peux pas échapper à mon noyau laser. Noyau smart, pareil. Planète Harmonie. Ok, on est reparti. Y'a rien qui me ressemble. Séquence Distorder en phase 3. Calcul de projection spatio-temporelle. C'était prière enfoirée. Voyou Smart, pareil. Voyou Smart engagé. Début phase 4 imminent. Génération du vortex à 97%.
énergie a franchi un seuil critique. Tu vas mourir en héros. Tout le personnel doit évacuer les lieux immédiatement. Grave défaillance à prévoir des unités électromécaniques, dont les titans. Oh, je suis pas allé assez fort avec toi. On va passer au niveau supérieur, enfoiré. Utilise ce noyau tant que tu veux, il va pas te sauver. Toi non plus. Sortez l'arche de là avant le lancement, vite! Noyau smart hors ligne. Attendez, j'ai pas fait une connerie moi, si. Attends, BT. Mode pilote activé. Séquence d'allumage du distorder terminée. Déploiement de l'arche. L'énergie est surchargée, mais tempo. Système principal. Réinitialisation des systèmes oculaires. Système oculaire rétabli. La seule option est une projection. Est une alerte. Alerte. Titan ennemi détecté. Genre de chance, héros. Je vais pas te tuer. Je pose pas gratos. Mais tu vas pas me tuer non plus. Tiens, t'as mérité ça. Blisk, le titan classe Vanguard est toujours là. Pas mon problème, Marder. Ça aurait dû figurer dans mon contrat. J'ai d'autres gens plein de fric. Petit clin d'œil à Apex. Qu'est-ce que vous croyez faire? La seule option est une projection. Une projection de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Une projection. Cooper, j'ai besoin de plus. Les systèmes d'autonavigation sont désactivés. Arrivez-moi dans ce système d'injection. Agissons ensemble. Oui, dis-moi, j'ai fait quoi? Si j'exploite mon noyau de réacteur, je devrais pouvoir déstabiliser l'arche au centre du Distorder. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a moyen de le faire sauter. Je vous transmets des coordonnées de rendez-vous. Coordonnées reçues. Nous y serons, mais je n'en dirai pas autant pour vous. Faites-moi confiance, j'ai tout calculé. J'espère bien, nous sommes en route. Bonne chance à tous les deux. Brick, terminé. Moyen qu'on s'en sorte, BT. Calcul. Protocole 3. Protection du pilote. Qu'est-ce que tu fous? N'ayez pas peur. BT! Mais qu'est-ce que tu fais? Bougez-vous, pilote!
Mais monsieur Vautré ! Attends, mes BT ? J'ai pas vu dans quel sens je devais aller. Oh putain, ça va être super chiant. Non, je suis pas d'accord, moi. Non. Oui, bah bougez-vous, pilote. Le pilote, il vous emmerde. Depuis le temps qu'il vous sauve le cul. J'ai fait n'importe quoi. Je tente de rattraper des moments, mais ça marche pas. Ah putain, dis-moi qui me remet pas au début. Non. Merde, putain, je me suis foiré. Non, mais je lis pas. Non. Elle commence à m'emmerder. J'ai un visuel. Je vous ai eu. Merci bien, madame. Allez, pilote. Mais pilote, si j'ai plus de... Ça sert à rien. Si, il y a toujours BT. Non, il est pas mort. Pilote Cooper. Non. Beaucoup de gens vous doivent la vie. À vous et à BT. Barker, cap sur Harmony. Ramenez-nous au bercail. Ça marche. La destruction de Typhon a sauvé Harmony. Pour les miliciens, c'est un QG. Mais pour des millions d'autres personnes, c'est un foyer. Briggs m'a annoncé que je serais incorporé au Maraudeur et qu'on m'affecterait un nouveau titan quand les ingés auront effacé ce qui reste de mon lien avec BT. Je me demande ce que ça fait de recevoir un nouveau titan. Je m'étais habitué à l'ancien. Ici le pilote Jack Cooper. Je déconnecte. BT ! Non ! Oh ben non, copain. Il a dit faut protéger le pilote. Ah, c'est trop triste, Bichette. BT, c'était copain. Oh, moi c'est mort, j'en prendrais pas un autre. BT, c'est BT, quoi. C'était notre pote Croquette. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible, mais le jeu était hyper bien. Le jeu.
était super cool. Bon, j'en ai chié. Parce que je suis nul à tout ce qui est plateforme, tir, etc. Mais j'ai pas eu besoin de baisser la difficulté. C'est quand même pas mal. Donc c'est cool. Vraiment super jeu. Je suis très contente de l'avoir fait. Vraiment très 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 contente. Zéro regret. J'aurais même aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Après, est-ce que c'est pour pas qu'il y ait un côté trop redondant, titan ennemi, machin, quelques phases où t'es piéton et tout. Mais ouais, non. Hyper cool. Copa BT. Ouais, c'est un peu court, ouais. Parce que bon. Non, je regarde combien j'ai fait d'heures exactement, mais j'en ai pas fait tant que ça, quoi. Bah, l'ancien propriétaire de BT, Dale Lastimosa. Lui qui nous a fait la petite pub pour Apex. mais ouais, il se laisse une petite porte de sortie aussi, là, le côté... lui ne nous a pas tués parce que, en gros, on s'est bien battu. Je suppose qu'après, tu peux toujours faire des méchants qu'on n'a pas combattus. Alors, je vous préviens, hein, vous me verrez pas sur Apex. Hein, c'est... Là, même pas la peine, hein. Vous ne me verrez pas sur Apex, c'est hors de question. Mais après, du coup, ils en sont où avec cette histoire de Titanfall 3? Parce que... Je veux la suite, moi. Ta Viper, il m'a fait chier, lui. Elle, au final... j'ai bouffé son nom, Clone. Elle était dure sans être dure. À partir du moment où t'évites son espèce de machin laser, là, c'est bon. Mais Viper, il m'a rendu dingue. Hein. Il m'a vraiment rendu dingue. Mais ouais, putain, vraiment un super bon jeu. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il dure un petit peu plus. Là, c'était un peu court. Parce que j'ai fait quoi? J'ai fait 4... 4 ou 5 streams. Après, le multi est super. Oui, c'est ce que tu m'as dit d'essayer. Bah, peut-être que j'essaierai. Peut-être que j'essaierai. Juste pour voir, peut-être pas forcément faire plusieurs streams dessus, mais pour voir. Bon, bah les amis, c'est sur ça qu'on va arrêter ce live. Mais super. Attendez, on me dit dans l'oreillette de rester jusqu'à la fin du post-générique, c'est pire qu'un Marvel. Je reste jusqu'à la fin du générique, c'est pire qu'un Marvel. Elle m'a traité de noob quand même, hein. T'es un peu en mode qu'est-ce que tu fous avec un titan, hein. Elle m'a un peu pris pour un jambonnet, celle-là. Elle a pas été super sympa avec nous.
Donc ça, c'est notre planète où il y a tous les rebelles. Enfin, nous, quoi. Les gentils. Qui est planète des gentils, qui ressemble vachement à la planète Terre. Et tu sais, grâce au sacrifice de BT. Elle est longue, ta scène post-gen. Par contre, c'est vrai que pour son âge, il est vraiment super beau. C'est impressionnant. Il y a des super musiques aussi, j'ai trouvé pendant les moments de combat. Merci Fénalis. Bah on me dit qu'il faut que je reste jusqu'à la fin du générique. C'est Paylock. Ah mais vraiment, j'ai tout aimé, les images, les musiques, le gameplay, ben, même si après, je suis désolée, il y a des moments où ça a dû être chiant pour vous, parce que je sais pas faire les sauts, les machins, mais ouais, non, c'est vraiment super jeu, je suis trop contente, trop contente. BT ? BT ? Qui veut dire Jack, c'est BT ? C'est BT, il est pas mort ! Eh ben dis les gars, on va le chercher. C'est BT! Oh, BT! Le copain Croquette! Ah bah, mais on peut pas le laisser tout seul là-bas! Bon, Titanfall 3! C'est quand qu'il arrive là? Je vais pas attendre 107 ans, moi après je serai trop vieille, hein! Ouais, bah, top! Vraiment. Super jeu. Titanfall 3, on attend toujours. Mais reste pas jouer avec Nanel. On est déjà à 8 ans. 8 ans d'attente. Non mais tu es trop vieille pour tes conneries. Hein. Jamais projet abandonné. Non, je sais pas, il y a pas longtemps, ils en reparlaient. Parce qu'après, du coup, ils avaient sorti Apex. Mais vous ne me verrez pas sur Apex. C'est même pas la peine. Ça, sinon, c'est le truc en point de chaîne que je mets à 200 000 K. Parce que, non, putain, Bambi au milieu de la forêt. Remarquez, si vous avez jamais vu Bambi, je peux vous le réinterpréter avec grande classe. Bon, bah, c'est bien beau, ça. Mais du coup, en solo du mercredi, il va falloir que je trouve autre chose. Je pense que je ferai un petit tour à... Un petit tour de Game Pass pour voir ce que je peux vous proposer. Mais... Okami HD. Qu'est-ce que c'est ça ?
J'y connais pas. Ouh, ça a l'air tout chelou, ton histoire. Oh, si, attendez, je crois que j'ai eu un petit élan de... Bah, putain. Il va falloir que je le trouve là-bas dedans. Non, si, je vous dis rien, en fait. Non, je vous dis rien. Je vous dis rien, vous verrez mercredi. Ah ah. Vous verrez mercredi. Mais peut-être que j'ai une petite idée. Voilà. À voir. Mais ouais, si, peut-être. En tout cas, merci à tous d'être venus. Bah, j'espère que vous aurez apprécié, pour tous, cette redécouverte de Titanfall. Mais du coup, une grande découverte pour moi. Et puis, du coup, demain, 7 Day. Mercredi, un petit solo, vous verrez quoi. Jeudi, Stranded Deep. Voilà! Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. Merci à toi, Fénalis. Bonne soirée. Bye bye.